Les deux génies par Gustave Geffroy. Dans un paysage de l'Île-de-France où s'accordaient les lignes souples et sévères des collines, de la rivière, de la forêt, les vieilles maisons encadrées de jardins, habitait le peintre Félicien Dupréau. Son logis, pareil à ceux de ses voisins paysans, de plein pied avec le sol, s'agrémentait à peine de quelques arrangements. Des vases de fleurs au portail d'une vieille cour de ferme, une fenêtre agrandie pour éclairer une pièce changée en atelier, du chèvrefeuille et de la glycine autour de la porte. La salle à manger et la cuisine réunies simplifiaient l'existence déjà simple. Derrière la maison, un jardin potager, des légumes savoureux, des fleurs à profusion, puis un verger clos de treillage, au-delà duquel se voyait le déroulement de la campagne silencieuse et recueillie sous la vaste étendue céleste. Au son des heures, sous la lumière du soleil, dans l'ombre grandissante de la colline et de la forêt, depuis l'aube jusqu'au crépuscule, les travaux des champs s'accomplissaient au pas lent des animaux par les gestes réguliers des hommes. Le soir des beaux jours, quand une buée s'élevait de la terre, que la lune et les étoiles voguaient par l'espace, que tout était bleu et doré, mystérieux et profond, la courbe de la rivière brillante semblait se dissoudre dans un océan et la vallée devenait un infini. Ces aspects familiers et grandioses avaient fixé là, définitivement, la vie du peintre. Sans phrases et sans pause, sans convention de langage et sans chic artiste. L'enthousiasme pour la nature animait son esprit, commandait son existence. Tout ce qui vivait, tout ce qui rayonnait, tout ce qui passait prenait ses regards, captivait son esprit et son cœur. Il aimait, il adorait secrètement la route, le champ, l'arbre, le nuage et l'étoile, et aussi l'homme penché sur la terre, le bœuf obéissant attelé à la charrue, le cheval trottant et entraînant la carriole, la vache nourricière harcelée par le veau, le chien qui garde le troupeau, le chat qui traverse la route et rencontre la poule, la pie qui sautille, l'alouette qui plane. Aussitôt debout, aussitôt à l'ouvrage. En même temps que ses yeux voyaient, sa mémoire retenait, son esprit réfléchissait. Ses promenades, ses flâneries faisaient partie de son labeur. Lorsqu'il choisissait un sujet, il achevait par la peinture ce qu'il avait commencé par l'observation et continué par la rêverie. Il fut d'abord obscurément, puis avec une renommée grandissante, un peintre des paysans, de leurs travaux, de leurs entours, de leurs maisons, de leurs animaux. Il transcrivit les instants de leur vie en images exactes et essentielles, composant un poème aux mille scènes diverses avec l'existence de la ferme et du champ, du marché du jeudi et du cabaret du dimanche, exprimant par eux le renouveau du printemps, la moisson de l'été, la chaleur dernière de l'automne, la gravité de l'hiver. Aussi bien que le semeur dans le brouillard, le faucheur illuminé de soleil couchant, il sut voir et montrer le vieillard encoigné dans l'âtre, la femme qui tricote des bas et prépare la soupe. Peu à peu, ces tableaux véridiques, animés par le fluide mystérieux de la lumière, tressaillant de la poésie du sentiment, valurent au peintre, sans lui apporter le succès ni la fortune, cette gloire de pénombre qui n'attend que les ténèbres de la mort pour resplendir. Il ne mourut pas encore, cependant, mais il perdit la compagne de sa vie, Julienne, avec laquelle il s'était retiré depuis des années dans sa chère solitude, dans sa demeure de travail et de bonheur. Ils n'avaient jamais changé d'existence, se suffisant à eux-mêmes, lui, enivré de la force de sa personnalité, ne songeant pas à demander quelque chose au monde, elle partageant son enthousiasme avec simplicité. Quand le nom de Dupréau grandit, qu'une opinion se forma, pour ainsi dire contrainte, que l'enthousiasme de quelques-uns força l'estime de tous, que des sollicitations lui vinrent, qu'il fut invité à prendre un rôle à Paris, dans les jurys, les banquets, les fêtes officielles, les soirées à la mode. Julien lui avait parlé ainsi. « Fais ce qui te paraîtra bien. Pour moi, mon seul orgueil est de me trouver près de toi, dans ton ombre. D'autres femmes seraient heureuses, dans leur vanité, de se montrer avec toi, de recueillir pour elles les hommages qui te seraient adressés. Je n'ai pas ce genre d'orgueil. À t'écouter louer devant moi, je n'éprouverai qu'indifférence pour ceux qui ont attendu le succès pour te connaître. Tu n'as pas besoin d'eux. Ne sommes-nous pas bien ainsi ?» Félicien resta donc auprès de Julienne, mais la mort les sépara. Le survivant connut la douleur, l'anéantissement de l'être, le goût amer du sépulcre. Il fallut que son travail quotidien, plus encore que son art, reprît possession de lui par la force de l'habitude.
pour qu'il échappât à l'attrait funèbre du néant. Il survécut. Il revécut aussi. 6 ans après la mort de Julienne, toujours âpre au travail, mais sa fermeté ancienne de caractère dissoute par l'isolement, il se prêta aux distractions qui lui furent offertes, fréquenta Paris, connut la surprise et le charme des admirations tardives. Le temps dispersa les cendres du passé. Une jeune femme apparut à l'artiste comme une muse, un nouveau génie de la vie. Il l'épousa, avec la certitude qu'il renaissait à l'existence et à l'art, et il en fut ainsi, d'une certaine manière. La seconde, Madame du Préau, suivit organiser la mise en scène du talent de son mari. Elle chérissait son grand homme. Elle exigeait un piédestal digne de la statue. Félicien quitta ses champs, ses collines, sa rivière, sa forêt, la maison de la pauvreté, de la joie et de la douleur. Il habita un quartier élégant de Paris, accepta tout, guidé par la clairvoyance de celle qui dirigeait désormais sa destinée. Celle-ci était si fière lorsqu'elle entrait dans quelques salons où se mêlent la vertu et le vice, l'envie et la grâce de Paris, d'entendre chuchoter ou proclamer le nom qui était le sien. Elle savait qu'un homme de talent associé à une femme aimable peut prétendre à la célébrité et à la fortune. Elle mena donc son mari au but vers lequel tous les concurrents se précipitent, et lui, ignorant et naïf, se laissa conduire. Il ne pouvait plus peindre ses paysans, qui partaient pour leurs champs à l'heure où il rentrait du bal. Il changea de sujet et aussi de manière. Sa femme entreprit de faire de lui un peintre de portraits, et aussi un peintre de genre de la vie parisienne. Elle y parvint, les clients et les clientes affluèrent. Dupréau gagna de l'or, qu'il dépensa. Hôtels, automobiles, robes et bijoux, chalets dans la montagne, villas au bord de la mer. « Cela ne vaut-il pas mieux que ta chaumière ?» demandait triomphalement Madame Dupréau à son mari. Celui-ci répondait faiblement que oui. Mais il s'apercevait bien que si la fortune et le succès lui étaient venus, le talent était parti. Il n'avait plus le temps de travailler. Il était trop tard pour s'adapter à une nouvelle forme d'existence. Son corps surmené empêchait son esprit de réfléchir. « Bois !» Madame Dupréau affirmait que l'année prochaine, il pourrait entreprendre une croisière en Méditerranée sur un yacht qui leur appartiendrait. Quand l'année prochaine vint, le peintre n'était plus là. La mort l'avait emporté à son tour, et sa veuve restait sans ressources avec son yacht, sa villa, son chalet et son hôtel. Elle voulut garder son apparat. Elle était encore jeune et belle, et elle trouvait dur de déchoir. Une vente des œuvres de Dupréau fut décidée. L'inventaire amena la découverte, dans un placard de l'atelier du défunt, d'une centaine de toiles, de celles que Julienne s'était toujours refusée à vendre et que l'artiste lui avait dédicacées. On les joignit aux productions récentes. Quelle fut la stupéfaction de Madame Dupréau! Les tableaux qu'elle avait inspirés furent vendus à des prix dérisoires, et les autres, les vieux, ceux qui représentaient les scènes des champs et du village, l'humble vie de la glèbe et de l'étable, le poème des travaux agrestes, ceux qui gardaient la poésie passagère des heures et des saisons, ceux qui avaient été conçus dans la joie du travail et dans la paix du cœur, ceux-là s'adjugèrent à des prix formidables. Ce fut un affront pour la veuve glorieuse. Elle avait cru conduire Félicien au sommet et elle l'avait fait descendre. Et c'était l'autre, la dédaignée, Julienne, qui entrait avec lui dans l'immortalité et qui, par surcroît, sauvait sa rivale, lui laissait son luxe et blasonnait son veuvage aux armes d'un art génial. Ainsi s'achève Les deux génies par Gustave Geffroy.